Bonjour, c'est Grifox. On se retrouve aujourd'hui pour un petit peu de Coliseum. Et cette fois-ci, comme vous le voyez, je ne suis pas avec les classes que j'ai jouées récemment. J'ai fait un Osamodas, vous avez été nombreux à me dire que ça vous plaisait pas trop, ou j'ai eu beaucoup de retours assez mitigés là-dessus. Et je vous donne tout à fait raison d'ailleurs, hein, j'ai une gestion très très mauvaise de la classe, et il fallait que j'apprenne à la jouer. J'ai fait juste quelques combats avec, je crois que j'en ai fait 7, et je dois avoir 3 victoires et 4 défaites, un truc comme ça, parce que je joue tellement mal le truc. Enfin bref, en tout cas j'ai un petit peu vu les potentiels de la classe, et je suis vraiment content d'avoir fait ces quelques combats. Et bon, on va arrêter de faire un petit peu n'importe quoi, maintenant il va falloir que je me prépare aux prochaines mises à jour. C'est pourquoi j'ai décidé que j'allais arrêter un petit peu de colis et plutôt me concentrer sur le farm. C'est pour ça que là j'ai fait un petit combat en Enu, Eka, Helio, juste pour le fun et pour clore un petit peu cette période de colis, on va dire. Bon là c'est juste du fun, hein. C'est vraiment, je pense que vous connaissez, c'est pas la première fois que je vous présente ça. Est-ce qu'on peut aller caler un peu de retrait? Bah oui, on va y arriver. Hop. On va même râler le sacri de cette manière. Hop. Oh, c'est nickel ça. Ah non, c'est pas nickel, le sacri va me faire chier, décidément. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai l'héliotrope qui est en ceinture de classe pour avoir la brimade sans ligne de vue, qui est en ocre abyssal, et l'ennu est également en ocre abyssal pour avoir un maximum de mobilité et de 2 PA, 2 PM, et les K-Flip toujours full rocks. Vous l'avez déjà vu taper, je pense, pour la plupart. On va voir comment on va s'en sortir, et donc là, il va bientôt, bien sûr, falloir mettre la corruption sur le CRA. Et on va voir comment on peut faire ça. Alors, moi, je vais mettre mes portails 1 ici. Ah, ça m'embête ce truc-là. Il est chier ce sac. Bon, on va le repousser, je vais mettre un portail là. Un ici, voilà, ça sera pas mal. Et puis après on est parti, ouais, allez, entraide. Focus sur les K-Flip. Les K-Flip, je vais faire en sorte qu'ils puissent, qu'ils puissent aller bourriner, même si j'arrive pas à placer à la corruption. Normalement, j'avais déjà testé, juste en passant dans le portail avec le boost du focus, j'arrive à one-shot un mec sans taper à travers les portails en fait. Juste en me déplaçant et en allant les chercher directement avec un Rox conventionnel. Ça c'est vraiment sympathique. Le CRA, d'accord, il s'avance, il va s'exposer pour la corruption, il a peut-être pas vraiment vu le danger. Une explo, ok. Bon, mes persos sont assez fragiles. Il y a juste l'héliotrope qui a quelques bouts du stuff de Luginac, mais bon, concrètement, les résistances c'est pas trop ça. Je vais pas faire de chaton pour être sûr de ne pas gêner mon placement. Et ah merde, je vais être obligé de prendre tout le monde dans l'odorat là, ça m'embête. J'aurais préféré ne pas prendre l'Ilio. Tant pis. Tant pis, j'avais pas le choix parce qu'il faut absolument que j'ai les nus dedans. On va se placer comme ça, ça devrait le faire. C'est les cas qui jouent là, d'accord, on a un recop qui tombe sur l'héliotrope, c'est gérable. Moi je vais pouvoir aller caler sans difficulté la corruption sur le CRA. Oh, on a une roulette de dommage en plus, ça va être marrant. Ça va être très marrant, j'aimerais vraiment qu'il reste proche du Sacrieur, ce serait pas mal. On va voir ce qu'ils font. Si le Sacri balance une cop, je vais être un petit peu gêné, mais bon, dans la mesure où je lui ai enlevé 5 PO, il devrait pas aller bien loin. Allez, termine ici, toi, ce serait parfait. La corruption, j'ai suffisamment de portée, ouais, hein, il n'y aura pas de souci. Je peux mettre une accélération sur l'héliotrope. L'épée volante ne devrait pas être gênante. Allez, on est parti comme ça. La corruption qui tombe sur le CRA. Et puis on va débuff les K-Flip dans le doute, c'est pas très utile, mais bon, pourquoi pas. Voilà, là on est pas trop mal. J'espère réussir à caler quelque chose. On va voir comment tout va dépendre en fait d'où termine le sacré. Bon alors là c'est sûr que j'ai un kill, hein, mais le but c'est d'en faire deux d'un coup, hein, sinon c'est pas drôle. Pour ceux qui connaissent pas, vous allez voir, ça va être sympathique. Intranspo... Ah! Ça m'embête ça. Ça m'embête. Il va venir taper les cas. Ah, c'est gênant. C'est gênant. Est-ce que j'ai un moyen de faire un truc sympa quand même? Eh, je vais peut-être tenter un truc. Pour ça, il va me falloir. Oh, je vais tenter. Alors, si j'arrive à faire ce que je voudrais faire. Non. On est parti sur.
Ah, je pense que je vais réussir. On est parti là-dessus. Alors, il faut que je fasse étirement. Le portail ici. Il va me falloir faire portail, distribution. Non! J'ai mal placé le portail, quel con! Oh merde! Oh non, je suis déçu, je suis déçu. Oh là 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 là, le con, c'était bon, ça passait. Oh là 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 là, les failles que je vous fais, moi, c'est incroyable ça. C'est incroyable. Bon, bon bah je suis déçu. Bon là on avait le double kill hein, mais bon vous voyez je suis vraiment pas en forme. Bon, allez ça m'a tellement saoulé, je balance le tout rien direct. Allez ça c'est chiant là. Allez lui qui crève pas. Bon il y a le. Ah bah ok. Bon j'ai assez de rocks en fait, je passe quand même le double kill. Mais bon même avec un gros fail comme ça je m'en sors. Ah décidément. C'est sympa hein. On va faire un contre-coup dans le doute. En fait, je voulais mettre le portail ici pour qu'il arrive au corps à corps de l'autre et que je puisse le taper au réflexe et tout, mais bon, c'est passé. J'avais assez de dégâts. Bon, bah voilà, c'était quand même sympa pour terminer cette petite période de Coliseum, on va dire. Hop, on est parti là-dessus. Ouais, on va le rendre full pauvre. Hein. Hop, débrouille-toi, toi. Je vais rester ici, comme ça il a pas la ligne de vue sur moi. Est-ce que je le touche comme ça moi? Ouais. Ouais, tout à fait. Hop, ah! Il me manque un truc, allez, on va lui mettre un petit boomerang, c'est pas boosté, mais c'est pas grave. Est-ce qu'il y a un truc qui tape à distance? Malheureusement, non. Hop, bon là il va pouvoir m'éclater éventuellement. Mais ça va être vite terminé cette affaire. Hein. Voilà, bon. Sinon, à part ça, moi je suis en train de me faire une nouvelle team de farm là. Je vous allez vite le voir en vidéo. Mais je vous donne un petit indice. Je trouvais que 3 crasses c'était pas assez dans ma team. Donc voilà, je vais essayer de vous sortir du contenu là-dessus assez vite. Mais je pense que ça va vous plaire. Alors, ok, qu'est-ce qu'il nous fait? Je pense que ça va vous plaire et j'ai vraiment hâte de faire tout ça propre. Donc en fait, là je. Je fais un dernier combat avec ces persos et après je vais récupérer tout ce qu'il y a dessus, les pare-chauds de sort, les stuffs, les dofus et tout. Et je vais en faire quelque chose d'un peu plus productif. Allez, on va quand même dire bonjour, le pauvre. Oh, ça doit faire mal de se prendre ça dans la tête quand même. Hop là! Et voilà! Bon bah c'est un colis rush qui est passé en 3 tours. C'est vraiment. Ça change des colis de 47 minutes avec le Samodas, hein, moi je vous le dis. Ça fait du bien de temps en temps. Bon, c'est que c'est pas du très beau jeu. Hein, une fois que les gens savent jouer, normalement ils prennent pas trop la corruption et tout. Là, ça va que les cotes sont très basses. Mais bon, voilà, c'est toujours un petit peu de détente. C'est toujours assez original et impressionnant à voir. Moi j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker et vous abonner. Moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et j'ai hâte de vous retrouver pour autre chose que du Coliseum. A bientôt!